Spiro. Tiens, tiens. Oh, oh, comme c'est drôle de te voir ici. Hello, et on se retrouve finalement ici, parce qu'il fallait vraiment que j'aille dans le coin de ralliement. Donc c'est la 20ème vidéo de Spiro Adventure, c'est génial. Alors, bon, voyons voir. Connard, va te faire bip. Ça commence très bien, ça commence comme ça. Non, toi, je parle pas, je t'ai déjà vu. Ici, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Nous voici, ça arrive là. Nous voici. Des fois, ah, il y a une paporte. C'est... Ah oui, la fameuse paporte principale, ouais. La fameuse paporte principale. La paporte. Et donc, ce fameux puzzle. Ok, donc j'avais trouvé la solution. En fait, il faut faire ça. Voilà, vous voyez. Enfin, la solution de pour bouger le puzzle, là, par contre, je sais pas comment faire. Attendez, un peu de réflexion. Non, c'est pas aussi con. Attendez, c'est pas aussi con. Si. Non. Non. Ah, ok, d'accord, ok, ouais. C'est très. Con. Un puzzle facile. Ok. Normalement facile, ouais, parce que moi je suis pas du tout puzzle à la base. Voilà, la grande étendue de Ripto, donc c'est voilà, c'est bien ça, la grande expanse, voilà. Donc c'est ici la dernière zone qu'on n'avait pas découvert. Qu'on avait pas vu. On retrouve nos potes musiciens. Évidemment, on va voir les lettres R-Ripto partout. R-Riptoque. Bien vu. R-Riptoque. Pouce dédé. Et boum, oh, c'est parfait ça. Ah, que ça commence comme ça, décidément. C'est une vidéo qui commence en trombe. Ah, bah là, on retrouve tous les ennemis de ce jeu. Ce qui est absolument pour me déplaire. Parce qu'il n'est absolument pas pour me déplaire. On retrouve tout. Je sais absolument pas où est-ce qu'il faut aller. Je m'en fous. Au revoir. Juste récupérer les joyaux quand même. Là, on va s'occuper un peu de ces joyaux qui sont quand même la priorité de Spyro quand même, ouais. C'est pas du tout de sauver les dragons, de détruire Ripto, etc. Non, non, pas du tout. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le pognon, tout simplement. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pognon. Ah, bah là, vous voyez, on parle de pognon, hop, il a réussi à montrer quelques morceaux. Sois vite, ta gueule. Il me perturbe. Ok, à quoi qu'il va servir lui. Ok. Mais à quoi qu'il sert. Attendez, ouais. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut faire. Attendez, je comprends absolument pas le système. Et donc schlac. Ah non mais pas, je voulais te faire vraiment ça. Il y a tellement vide, c'est génial ça. Ah, quand ça commence comme ça en général, c'est que ça augure d'un bon. Une bonne vidéo, ouais. Ah ça c'est sûr, vraiment. Il n'y a vraiment pas de doute. Même c'est que j'arrive là, mais je sais trop quoi faire. Ah oui, mais je suis con, putain. Apprends à te servir de ton cerveau, PF, pitié. Trop vite, trop vite. Tombé, tomba, tali, tali, tata. Tombé, tomba, tali, tali, tata. Aïe, aïe, aïe. Ça, je m'exaspère moi-même à chaque fois de ma connerie. C'est... On vous dit
j'ai vraiment envie de dire, putain, je peux pas aller plus loin que ça, quoi, mais tu fous ma gueule. C'est un scandale, hein, bon, pas de temps. Bouge pas, toi. Bouge pas. Mais oui, bien sûr, mais oui, mais si, mais oui, mais si, bien sûr, et oui, voilà, on arrive à une nouvelle zone. Oh yes, un sergent Bird, un sergent Bird. Sergent Bird. Oui, c'est sergent Bird. Ah, je crois qu'il y a vraiment sergent Bird. J'espère que c'est encore des armes à sauver, bien sûr, évidemment, soldat. Oh. Le travail avant tout. Il faut que ça marche. Ah, déjà un soldat qui était vraiment... Ah oui, bien sûr. Il ne pouvait pas rentrer jusqu'au camp tout seul. Dieu, pauvre sergent Bird, dis ta gueule. J'ai l'impression de vivre avec une... J'ai l'impression que le sergent Bird vit avec une équipe de bras cassés, franchement, enfin de pingouins cassés plutôt. Ah, tire dans le vide. Ah le bat. Ah le bat. Ah le fumier. Va te faire mettre. Va te faire mettre. Va te faire mettre. Oh, bon, ça va, en fait. Et va te faire mettre quand même. Ah non, mais c'est quoi ce truc, là, sérieusement? Ah, quand même. Allez, viens là, toi. Je te tirerai dessus, désolé. C'était contre ma volonté, je ne voulais pas te tirer dessus. Cette blague. Le travail, soldat, le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé. Regardez derrière, c'est Ripto. Ripto en ange. Attendez, on suppose les anges de Ripto. Après les anges de la télé-réalité, les anges de Ripto. Vous me direz, ça peut pas être pire que l'original. Ah, désolé, soldat. Tant que je sors pas, c'est... Le pire avec, ce... avec les télé-réalités, c'est qu'ils reviennent après, quoi. Non seulement les... Désolé pour ceux qui aiment bien et... Je supporte pas ce genre de choses. Et... Voilà, non seulement ils partent à l'autre bout de je sais pas où. Donc ça, c'est génial, vous voyez, vous dites, youpi, c'est une télé-réalité à la con, mais au moins ils se cassent. Mais le problème, c'est qu'ils reviennent, ces gens-là. C'est ça, le pire. Ah ouais, c'est peut-être une... parenthèse. Maintenant, on peut travailler avec le cerveau, voilà. Ça nous changera de d'habitude. Bonjour, soldat. Que fais-tu par ici? On se dépêche. Regardez un peu le sergent Bird. Il vole. Il est magnifique, le sergent Bird. Il est génial, le sergent Bird. Que dis-je? Ah, il est digne des pingouins d'élite. Et casse-toi. Voilà, bon, je vais dire, putain, si t'es pas capable de rentrer là-bas tout seul, c'est qu'il y a un problème. Hein. Oui, je pète un câble. Oh, oh non 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 putain. Ah putain. Oh la vache. Oh alors là, mais c'était juste à chaque fois que le pingouin là. Oui, le pingouin est sauvé. C'est le sauvetage du pingouin. Après, il faut sauver le soldat Ryan, il faut sauver le soldat Bird. Ah non, le pingouin a été abandonné. On n'abandonne pas les pingouins. N'est-ce pas, monsieur Popper? Popper ou Popper, je sais plus. Bon, rien que le nom du film est tendancieux, ça me perturbe. Et pourtant, le film est génial. En plus, ça parle de pingouins, donc c'est merveilleux. Ça change de tous les films d'animaux qu'on peut voir avec des chiens, etc. Ça change un peu, ouais. C'était sympa, voilà, c'est sympa. Le petit pingouin là, c'est tout mignon. Oh.
pouvais vivre avec des pingouins, ce serait génial. Bon, par contre, pour adopter la... Non, ouais. Je ne dis rien. Ok, je me trompe d'endroit, moi. Faut que j'aurais fallu que j'aille là, par là. Voilà, regardez, en plus, avec la tête de rhino, là. Tête de rhino, tête de rhino. Tête de rhino. Tête de rhino. Il y a quoi par là? Il y a rien. Attention, Heftung. Oh putain. Oh putain. Ah, le bâtard. Désolé, j'étais vulgaire. Ah, désolé de ma vulgarité effrayante, effarante, tout ce que vous voulez. Attention, il y a rien, on va shooter parce que je sais qu'il y a un ennemi pas loin. Je sais qu'il y a un ennemi, alors on le shoot, on essaie de shooter. Ah putain, il y en a deux en plus. Il y en a deux à sauver. Oh là là, vous êtes dégueulasse là. Vous êtes dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, je l'ai fait tomber. J'ai fait tomber le pingouin. Tant que je fais pas tomber le mudocon, ça va. Oui, j'arrive à faire des références à Edward sur Spyro. Je sais. Attends, c'est pas difficile. Qui c'est qui a voulu me tirer dessus? Quel est le con qui a voulu me tirer dessus? On lui a pas appris qu'il fallait pas tirer sur le sergent Bird. Oh là là, bon, c'est genre, il faut tout leur dire à Serinoc. Regardez, c'est lui, c'est le con là. Qui essaye de me tirer dessus alors que c'est très bien qu'il y a un mur en face. Non, pas un mur en fesse. Ce qui théoriquement n'est pas la même chose. On voit ça au football par exemple. Ah là là. J'ai failli tuer le pingouin. Mon dieu, j'ai failli tuer le pingouin, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Mon dieu, ça fait penser à Sylvia Fine, c'est un peu horrible. Sylvia n'est pas horrible, hein, c'est juste la référence qu'il est. Parce que c'est une super série, etc. Mais voilà. Oh, bonjour, celle-là. Oh putain, dégage-toi. Dégage-toi. Oui. Allez, par ici, soldat. On y va. Pourquoi le soldat ne veut pas venir avec moi? Il est con, lui. Allez, viens là, toi. La, 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 la. Oui. Youpi. Putain, je sens que je vais me faire défoncer. Oh oui, je sens que je vais me faire défoncer quand même propre, alors toi tu viens là, comme ça j'aurai plus qu'à te larguer s'il faut. Voilà, c'est parfait, hop, deux pingouins en plus pour le prix d'un. Dance perfect, ah oui, ok, en fait je pouvais venir de là, d'accord, ok. Ah oui, bon, en fait c'est juste à tomber quoi. Boum, ah c'est parfait. Ah, ou un. Mais quoi? Pourquoi j'en ai 9? Il y en a un qui est venu tout seul ou alors je l'ai pris deux. Non, attendez, je n'ai pas pris deux là. Et si j'en ai pris deux, j'en ai pris deux d'un coup, incroyable. Incroyable, et voilà le dernier. Putain, mais Bird, mais... Il allait pas être aussi... aussi puissante que... que je sais pas qui, malheureusement. Et c'est gagné. Ah, le dernier soldat, bon travail, monsieur. Vous pouvez amener cette moitié de clé. Et c'est la moitié de clé d'or. J'ai donc les clés de... toutes les clés. J'ai donc toutes les clés. Vas-y. Il veut partir, Sparks. Et on en est à 14 minutes seulement, donc c'est pas fini. Oui, nous avons la moitié de cette clé. C'est donc toutes les clés. On peut ouvrir. Et donc peu, voilà, cette poche de poudre colorée vous rend rouge de violet. C'est cool, mais ça ne nous est d'aucune utilité pour le moment. Voilà. Ça aura peut-être une utilité plus tard, je sais pas, hein. En tout cas c'est fait. Si là ça sert à rien. Voilà. Alors, je pourrais repartir si je veux dans la zone de base, etc. Hein. Mais je vais pas le faire. Pourquoi? Que c'est une nouvelle zone, que j'ai pas tous les coffres, etc. et que j'aimerais bien finir cette zone avant de pouvoir y aller. Ah putain! Ça, c'est désagréable par contre. Il y
il revient, voilà, il revient du... Voilà. Allez. On retourne. Oui, c'est bon. Impec, parfait, on a ouvert les coffres. Oula, je vais pas rentrer dans cette porte parce que j'en ai... Ah oui, non, c'était la porte d'entrée, ça va. Le coffre fort, le gros sou. Alors là, on va pouvoir le plumer, gros sou, mais comme un malpropre. Regardez un peu ça. Des joyox. Des joyox, des vrais, une vieille poterie. Toute moche. Ah, c'est un des objets de kangourou. Super, c'est le dernier objet, évidemment. C'est bientôt la fin du jeu, ordouille. Youpi, encore des joyaux. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un coffre de gros sous, au moins, voilà. Vous voyez qu'il encaisse tout type de... d'argent, hein, voilà. Aussi bien des dollars, que des billets verts, que des... des joyaux, que des objets qui ne servent à rien. Même si là, on a des chéripto, hein. En tout cas, ce qui veut dire, hein, oui. Ce qui veut dire que ce bâtard de gros sous travaille, en quelque sorte, pour Ripto. Puisque s'il a un coffre fort chez Ripto, ça veut bien dire qu'il travaille, dans un sens, pour Ripto. Donc, on va pouvoir aller plumer cet enfoiré, parce qu'il est passé chez l'ennemi. Ah, on va enfin pouvoir défoncer gros sous, il est temps. On va pouvoir plumer gros sous. Ah, oui, ah, ouf, heureusement, parce que je me sentais pas capable de retomber ici, juste pour ça. Alors, bon, on va voir un peu si j'ai récupéré tout ce qu'il y avait de cette zone. De cette zone-là, il reste 3. Ah, bah, ben, il faut en même temps, ouais, bon, il reste 3 coffres, forcément. Bon, il me reste. Ah, putain, zut. Ouf, heureusement que je peux leur faire partir comme ça, parce que putain, sinon, j'étais mal. Balalalalala. Ah, je viens de l'ouvrir ce coffre. Putain, t'es con. Mais qui est con? Mais qui est con? Mais qui est con? Alors, t'as pas compris, hein? Non. Wait. Wait. Non, attendez, aurais-je fait une nouvelle fois l'andouille? Tapez oui. 13-13, ou non, ou 6-13-13. Mais normalement, oui, j'ai fait le con. Forcément, parce qu'il fallait en fait que je lui tape dessus. Et tada, nous voici arrivés dans la nouvelle zone. Youpi. Ouh, il y a pas de vie. Heureusement qu'il y avait un pare-choc. Heureusement qu'il y avait des murs. Ouais. Heureusement qu'il y avait de tout, quand même, là, ouais. Dites-moi si le film était bien, enfin, si vous avez été voir le film et s'il est bien. J'aimerais bien savoir, j'avoue. J'aime bien le dessin animé, donc pourquoi pas le film, ouais, ça avait l'air sympa. Pourquoi pas, dites-le moi en commentaire, allez hop. A défaut de me dire en commentaire ce qu'il faut. Ah, Major Waddle, Berk, Spiro, il y a un Rhino qui a l'air complètement dingue là-dedans, attention à vous. Attention à vous, soldat! Mais j'ai pas toutes les médailles, moi. En fait. Oh, encore des joyaux! Oh putain, mais c'est merveilleux ça, tous ces joyaux! Attendez, j'ai quasiment tous les joyaux du niveau. Spiro! C'est drôle de vous rencontrer ici, Spiro, n'est-ce pas? J'ai un véritable joyau, n'est-ce pas, pour vous, cette fois? Un prix défiant toute concurrence. Bon. 1600, j'aime. Tout de même. On lui donne 1600 gemmes. Ripto, je te donne ces 1600 gemmes à une seule condition. Que je te les enfonce un par un là où je pense. Ah, Spiro, vous êtes toujours un si bon client. Mon Dieu. Je mets stack en plus. C'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Ah, oh, putain, non. Oh, mon Dieu. C'est immonde. Ah, c'est dégueulasse, putain. Marc. Ah, non, mais... Oh. Voilà.
Oui, non, il faut que je reste. Faut que je le garde maintenu. Ah oui, c'est vrai, il y avait l'autre zone là, moi j'avais pas été. Ah! Oui, je me stocke, forcément. Fallait bien que je boive un coup. Oh mon dieu. Ah! C'était épique quand même. Ah, cette. Ce lapsus de gros saut, vraiment. Tu aurais pu nous épargner ce fail, gros sou. Tout ça, c'est ta faute. Tout ce qui se passe ici, c'est de ta faute. Ta faute. Ta faute. Ta gueule, surtout. Oula, attention, attention. Hop, voilà. Évitons toute connerie comme dans une certaine vidéo. Je crois que c'est la vidéo 15. Me dites pas que c'était la vidéo 15. Depuis la fameuse vidéo 15 de XS, forcément le chiffre 15 ne me plaît plus. Bon, dans ce cas, vous dites ouais, mais dans ce cas, il n'y a plus aucun chiffre qui te plaît, quoi. C'est à peu près ça l'idée. C'est à peu près ça l'idée, c'est ça le pire. OMG. Et voilà, nous arrivons dans cette zone. La dernière, normalement, zone du jeu. Regardez, bouffe, non, bouffe. Boom, normalement j'ai les 900 gemmes du niveau. On va voir le journal. Le journal. Pourcentage 8163 sur 9000. 9000. Bientôt les 12 heures de jeu. Qu'est-ce que je voulais voir? Ah oui, bien sûr. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà, c'était les. En fait, c'était ici. Là. Alors, le château Ripto, vous voyez que j'ai 750 sur l'ensemble. Oh, ok. J'ai dû rater un truc là. Hein. Non. Non, attendez. Comment j'ai pu oublier 150 machin? Je comprends pas. Non, je comprends pas. À moins qu'on puisse défoncer ça. Les R. Donc, je vais éviter de rentrer là-dedans parce que ça sent le Ripto. Donc pour éviter de rentrer là-dedans, je vais refaire du coup le jeu pour aller voir les bonhommes, les casse cordes, etc. Si jamais, hein. Bon. Alors, bon. De toute façon, la porte restera ouverte maintenant. Peut-être, mais on va pouvoir récupérer du coup dans la retraite des Rhinox les deux coffres d'or. Ah, t'as cru quoi là, hein? Il s'est cru où le pervers là? Oh, oh putain, youpi, je perds du temps, je perds du temps! Et je claque! Désolé. Jusque ma gorge, voilà. Oui. Oui, bon, ça c'est parfait. Ah, du coup, autant faire ça. Oh yes, c'est quoi ce truc? Vous rend plus vert, tout vert, Spiro. Vous rend plus vert, bien sûr. Oh yeah! Ok, clac! Et clac! Clac, 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 clac! Et là, va vite falloir se dépêcher. Vite falloir se. Va vite falloir se dépêcher. Voilà. Hop, boum. On va rentrer dans cette zone. Attention, ne pas tomber dans le vide. Le coffre fait des gros sous. Oui, vous voyez, c'est cela, n'est-ce pas? C'est cela, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Boum. Est-ce que j'ai au moins cette fois-ci des 900 joyaux du niveau? Ça m'arrangerait d'avoir pour une fois un 100% de putain de niveau. 750 sur 800. Putain, mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Attendez, oh, j'ai dû rater un truc là, non? Ah oui, un coffre là-bas tout au bout. Ok, ouais. Un coffre là-bas tout au bout. Ça, ouais. Il est tout au bout là-bas. Tout au bout. Même pas. Ouah, ce sac aux couleurs, il vous rend bleu. Ok. En gros, Spiro va se transformer en toutes les couleurs. Il va se transformer en arc-en-ciel, Spiro. Aïe aïe. Aïe aïe aïe.
Bon bah on va refaire le jeu de toute façon puisqu'il faut récupérer tous les coffres. Bon voilà. Alors ça. Ça. On va voir. Attendez. À chaque fois j'oublie en plus de regarder s'il faut des choses. La prochaine fois faudra aller dans. Je verrai bien où il faudra aller, voilà, je verrai bien en caméra. Écoute, on se retrouve normalement, si j'y pense. Je vous fais les gros bisous, je vous dis bye bye et merci pour cette vidéo, merci Ripto. Connard, putain.